Alors cette moto, c'est un petit peu la sensation de ce salon, hein, pour son design vraiment, vraiment typique, novateur. C'est la Praème AE SP3. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, on est parti d'une base de VTR SP2, améliorée au niveau de la partie cycle, mais surtout embellie au niveau du design. Et vous avez là donc la Praème AE SP3. Alors toute l'originalité de cette Praème, c'est son carénage en fil d'inox de 2 mm. On en retrouve jusqu'au garde-boue. Et puis l'idée qui va avec l'embellissement, l'amélioration de la VTR SP2, c'est le changement des trains roulants. Là, vous avez des magnifiques jantes en carbone, des freins en céramique, la grosse fourche Öhlins FGR 300, de l'étrier monobloc. On va derrière regarder la partie moteur camouflée derrière ce sabot en laiton. Il est vraiment sympa ce réservoir, hein. Il a des lignes extraordinaires. Apparemment, il aurait demandé plus de 200 heures de travail. Et regardez dans le design, on a pensé à un des problèmes récurrents qu'on avait sur la VTR SP2, le fait que le cylindre arrière chauffait trop. Du coup, on l'a aéré maintenant. Et là, on passe derrière, on a un petit garde-boue carbone magnifique, mais surtout des échappements très originaux. Alors, la ligne est signée à Krapovic. En revanche, les échappements sont signés Werx USA. Une marque américaine qui fait des soudures absolument irréprochables. On apprécie beaucoup le galbe de cette partie arrière, toujours en fil d'inox. La magnifique selle en Alcantara ou en Ubuque, c'est vous qui voyez. Et puis ce poste de pilotage atypique où le pilote retire sa montre, la met ici et il a l'horloge en roulant. Bon, c'est assez joli, c'est du cousu-main, du sur-mesure version moto. Ça veut dire que Praème, la racine latine veut dire premium. Alors que vaut cette machine exceptionnelle, unique, dans les alentours de 150 000 euros, le prix de l'exception, c'est pas donné.